Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile et de bureautique, je vais vous montrer comment créer un document Microsoft Office, en l'occurrence ici un classeur Excel. Pour ce faire, il faut vous assurer d'avoir les applications Microsoft Office sur votre smartphone Android. Ici, je vais dans Applications Microsoft, puis dans Office. Je vais ensuite cliquer sur le signe plus, puis sur Documents, et dans Excel, j'appuie sur Nouveau classeur. La création est en cours et vous voyez que nous sommes sur un classeur, sur une feuille de calcul, dans la cellule A1. Vous avez des poignées de sélection et vous pouvez étendre avec. Revenons en A1. Et lorsque vous double-cliquez, vous voyez que toute la colonne A est sélectionnée. On va se remettre en 1. Et de la même manière, en appuyant avec votre doigt sur une cellule, vous vous mettez sur la cellule que vous voulez. Vous pouvez faire des remplissages avec des couleurs. Vous pouvez retourner sur remplissage et vous remettre en blanc, par exemple. Ou alors retourner sur remplissage et aller sur aucun remplissage. Bien sûr, en ayant sélectionné les cellules ou la colonne correspondante, et vous retournez à votre affichage normal, vous pouvez aller sur remplissage ici également. Et lorsque vous double-cliquez, vous voyez le curseur clignoter à l'intérieur et vous pouvez commencer à taper du texte. Par exemple, nom, ensuite en B1, on va taper prénom. On peut taper un nom, par exemple. Ensuite, on peut créer un prénom. On peut recréer un nom. Un prénom. Un nom, un prénom, un nom, un prénom. Voilà, c'est déjà bien. Maintenant, nous allons sélectionner les données du tableau et nous allons aller sur le filtre pour pouvoir trier par ordre croissant. Et nous avons trié ici ce petit tableau par ordre croissant de nom. Nous pouvons nous mettre sur Z vers A pour trier dans l'ordre décroissant également.
Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer. Donc, c'est simple. Vous avez les trois points verticaux. Vous allez sur Enregistrer sous. On va aller sur cet appareil dans Documents. Et on va l'appeler pareil classeur. Et ça va donc remplacer le fichier que l'on a créé auparavant. Voulez-vous le remplacer? On va cliquer sur remplacer. Le classeur est enregistré. Et on le retrouve ici. Et par le biais des trois points verticaux qui figurent sur la droite, on peut le supprimer de la liste. On peut supprimer de la liste d'autres documents qui ont été créés auparavant. Pour les retrouver, nous allons aller dans Mes fichiers, Documents, et là vous allez dans Documents et vous avez le classeur en date du 22 juin à 6h30 avec la taille en kilooctets. Maintenant vous savez comment créer un classeur Excel sur votre smartphone Android. Cette formation de téléphonie mobile et de bureautique est maintenant terminé. C'est à vous.